Bienvenue à tous pour cette Nash Junior Academy, le battle. Vous allez pouvoir vous affronter. En plus, là, on est sur un joli plan d'eau avec un joli cheptel, Sylvain. Oui, il y a un beau cheptel, 1604 pour 32 hectares, donc il y a de quoi s'amuser. Donc c'est une pêche qui est quand même assez technique, et à la fois une pêche du bord, comme une pêche à plus longue distance. Donc ça, c'est à vous de chercher cette pêche-là. Mais fort heureusement pour vous, vous allez être accompagné donc d'un coach qu'on va tirer au sort, puisque le principe, c'est deux tirs au sort, une équipe, de tirer au sort le coach et puis ensuite de tirer au sort le poste. L'équipe qui pourra remporter le battle, c'est l'équipe qui fera le plus grand poids de poisson. Il y a plusieurs prix qui sont en jeu. Le plus gros poisson, le plus grand nombre de poissons qui seront mesurés en poids, et c'est pour ça que les commissaires sont là. Et aussi le plus petit poisson. Voilà, bonne chance à tous. Bah du coup on a commencé à pêcher à partir de midi et là ça faisait 20 minutes que les cannes pêchaient et puis ils ont déjà attrapé un poisson et en plus un beau poisson, donc c'est prometteur pour la suite. Ils sont contents, je suis content pour eux, donc on verra bien. Premier poisson depuis que ça a commencé. Ben miroir, touché à peu près 30 mètres du bord à la tigueur. Bien joué. Bien joué mec. Bravo. Merci. Super. Bravo à tous les deux. Il faut qu'on gagne 10 mètres. Je compte sur vous les gars. 10 mètres on gagne. Moi je suis sûr que vous allez y arriver. Vous avez déjà gagné 10 mètres avec le spot, juste en vous entraînant. Et avec quoi? Une demi-heure, vous avez gagné. Moi je prends vous moi. Oh là les gars, on est des machines. Bah, on a commencé à amorcer au cobra de 3 billes, puis après pour essayer de faire rentrer le poisson, on a amorcé au dot spot avec de la bille complète, pelet, de la bille cassée et un peu de farine. Et voilà, on essaye de faire rentrer le poisson. Je suis avec Nathan et Evan sur le poste 1. On a fait un amorçage de zone à la bille. Ils ont amorcé presque 2 kg de billes sur une zone, on va dire, sur 10-15 mètres carrés. Une fois qu'on a fait ça, pour essayer d'activer le coup, on a préparé des particules avec du pelet scoping squid, des bisques crunchy scoping squid et de la farine mélangée de syrup. On est parti sur un cycle d'amorcer à peu près tous les 3 quarts d'heure. Vu que la particule, il y a quand même beaucoup de poissons chats ici et beaucoup de gardons surtout qui mangent toutes ces particules. Pour le moment, la stratégie n'a pas encore payé, mais rien que le fait d'avoir construit quelque chose et de leur avoir expliqué où c'est qu'on voulait en venir, ben, ils sont déjà heureux. Donc moi aussi. Donc j'espère que tout va fonctionner, qu'on va pouvoir enchaîner les cartes. Et puis, la joie, c'est ça. C'est d'avoir réussi à transmettre en pas longtemps des gestes simples. Et puis ils sont autonomes, motivés, yes, et moi aussi, et on va rien lâcher. Oh, trop bien. En plus, elle est super belle la commune, j'adore.
Bonjour tout le monde, donc là nous sommes poste numéro 3 avec Alex et Lowell. J'ai deux petits jeunes, donc Lowell il a 11 ans et Alex a 17 ans. Donc Alex c'est un jeune de mon école de pêche, il a fait 3 ans avec moi à l'école de pêche. Donc lui, il a comme boulot, il doit spoder et envoyer des billes. Et Lowell, comme il est plus petit, ben, lui, il fait les poissons. Nous, on est chaud, hein, y a pas de problème. Hein, on est là pour le podium, j'espère pour la première place. Hein. Je pense que la nuit blanche, on va la faire, hein, c'est sûr. Puis on va continuer à amorcer, hein, on va tout donner. Hein. Bon, ils sont là pour un but, c'est le podium. Quoi. Donc moi, je suis chaud, donc il n'y aura pas de problème. Tommy, bien installé? Super bien installé, le battle a commencé en fait à midi sous une pluie battante. Ça a été avec Théo et Timothée, d'ailleurs on a décidé de ne pas tout de suite se mettre en action de pêche. On a préféré mettre en place en fait une stratégie et réaliser quelques montages, quelques sticks et préparer l'amorçage. En fait les enfants ont mis 2 cannes à 14 tours de cannes en fait. Les enfants ont aussi spodé régulièrement toutes les heures un amorçage qui était constitué aux 2/3 de Candinot Crush et le tiers restant de Scopex Squid, en fait pour contrer l'activité intense des poissons chats, voilà. Et c'est vrai que la première touche, elle s'est fait attendre, elle est intervenue 3 heures après la dépose des cannes en fait. La pêche a été quand même rendue difficile par la pluie, les chutes de température. Bon, vous avez déjà fait du poisson, c'est très bien. Je suis très heureux de voir des jeunes passionnés qui sont vraiment investis en fait dans la pêche, voilà, et qui veulent apprendre.
Ça, là, c'est vraiment, vraiment serré. Il reste à peu près 2 heures. Hein. Je pense que là, ça va être un peu compliqué pour la suite, pour ceux qui ont attrapé un ou deux poissons. Mais là, il y a 2 ou 3 postes qui se tirent un peu la bourre. Et je pense que c'est bien. C'est bien pour la compétition, c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour tout le monde. Bon, tout le monde a pris déjà des poissons. Les 6 équipes engagées ont pris des poissons, donc ça, c'est super. Maintenant, après, voilà, j'espère que ça va continuer. Il nous reste encore 2 heures. Voilà, bon, le but était atteint, donc tout le monde a déjà attrapé des poissons, donc c'est magnifique. Voilà. Parfait. Plus gros poisson, les gars. C'est pas bon ça pour le moment, les gars. Ah, c'est bon ça. Bon, mais on va y faire une autre chose. Alors, mais t'as main dessus. Allez, tu l'as gagné toi aussi. Tu l'as amorcé le coup. Hein. Allez, les gars, ouais. Ça, c'est bon ça. On est remonté direct au classement là. Le classement. Donc le tirage au sort a eu lieu hier matin. Donc nous on a été tiré au sort en dernier. J'ai eu Edgar et Lucas avec moi. Lucas qui est âgé de 10 ans et Edgar qui est âgé de 14 ans. Donc ils ont déjà un peu d'expérience au niveau de la pêche, donc c'est toujours un plus. La technique elle a été très simple, vu que c'est vachement linéaire. On a essayé de sonder avec un plomb pour essayer de trouver des petites taches. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, c'est très très linéaire sur le plan d'eau. Enfin, du moins sur notre poste. Dans un premier temps, comme technique, on a essayé de pêcher en escalier. On a remis ça en place vers 21h, 22h. On a refait un poisson pas longtemps après. Une belle commune, bien claire. Et donc ça a été motivant pour le reste de la nuit. On fait un petit départ, je sais pas, peut-être 2 heures après. Et bon, malheureusement, on a fait une petite décroche. Ça peut nous valoir beaucoup pour avoir une petite place sur le podium. Ouais, bah salut à tous, c'est Diego. On se retrouve aujourd'hui donc au poste 10 avec Émile et Antonin, donc des anciens stagiaires de la Nage Junior Academy. Là, on a décidé de faire un amorçage à la bipure sur 2 spots différents. Et puis ça a été un peu compliqué, les premières heures ont été compliquées. Puis là, on a réussi à faire 2-3 poissons depuis 6h ce matin. Il nous reste 2-3 heures de pêche, donc on va essayer de toucher 2-3 poissons en plus. Donc après le tirage au sort, je me retrouve avec Madigan et Matteo. On a tiré le poste 8. Il a la particularité de présenter beaucoup de vases, mais on a réussi à trouver des poches de vases qui sont plus dures et ils ont décidé de poser les cannes sur ces taches-là. Et ça s'est montré productif puisque les poissons sont rentrés sur l'amorçage. On totalise maintenant 5 touches pour 3 poissons. Malheureusement, on en décroche 2. Je sais que les postes d'à côté ont fait du poisson aussi, donc c'est serré. On attend la fin qui approche. Donc on croise les doigts pour espérer faire un dernier poisson, voire 2, et puis on verra ça. C'est bien les gars. Allez. Avec un regarde, avec un joli petit sourire. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on a le plaisir de vous présenter notre dernier poisson, le 4e, c'est la fin. Donc maintenant on attend le classement, en tous les cas, j'ai passé un très bon moment avec vous les gars, j'espère que c'est réciproque. Et ouais, c'était vraiment cool. 10 secondes. Ok, bah on va sonner la fin du battle. Hein. Ouais.
Allez, je vais sortir ma super corne de brume. Allez, 3, 2, 1, c'est fini. Donc on voit que Mika, il est en combat avec un poisson. Donc il a un quart d'heure pour sortir son poisson pour qu'il soit comptabilisé. On va aller le voir. On va aller le voir. Je me disais, avec Mika, il y a toujours des petites surprises. Ouais. Il est un petit peu dans son domaine, là, la compétition. Ouais. Il vient de faire une touche là, à 58. À 2 minutes avant la fin. Deux minutes avant la fin, ouais, tout à fait. Vous êtes premier, mais ouais, là, il a deux poissons à peser dans les 10 dernières minutes. On est premier en sursis. Premier en sursis, on va aller voir. Exactement. On va aller voir et on va vous laisser un peu un suspense. 5,8 kg. 5,8 kg. Ouais, super, au top, bien content. Ouais. Ah, dommage, il manque pas un peu d'heure. Mais sinon, je pense que ça allait. Ouais, je pense. Voilà, super. Voilà, nickel. Une belle victoire, les enfants, ils ont super bien bossé, ils ont amorcé toutes les heures pour contrer les poissons chats. On a fait au total 10 touches, 5 poissons sortis, 4 décroches, une casse. Et puis voilà, les enfants sont. J'ai fait 2 communes. Il a fait 2 miroirs et 1 cuillère. Super, les gars. Super, 38 kilos. 38 kilos, vous avez une belle moyenne, vous avez bien pêché et vous méritez. Première place. Super les gars, super. Super les enfants. Bah, donc simplement un petit mot pour vous remercier tous d'avoir participé à ce joli événement de la Nage Junior Academy, le Battle. Je remercie évidemment du fond du cœur, on vous remercie vous les enfants, parce que vous avez donné de vous-même durant ces 24 heures, jour, nuit, on l'a vu, vous n'avez rien lâché. Il y avait de la motivation sur chacun de vos visages, on l'a vu. Je remercie bien sûr les coachs. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir bossé comme vous avez bossé pour essayer de placer vos équipes et d'avoir joué le jeu comme les règles, au regard des règles qu'on avait appliquées. Et puis bah, on va remettre les prix. C'est coaché par Diego, mais il y a Antonin et Émile. Voilà. Ouais, on applaudit. Une tasse et puis alors... Plus gros poisson. Lucas et Gars de 17,5 kg. Bravo. Et Madigan et Matteo. Bravo. Bravo. Pour un poids pardon de 25 kg. Vous allez comprendre. Alex et Lowell. Ils avec 26 kg. Avec un départ à 30 secondes de la fin. Ouais, il a fait gagner la marche. Théo et Timothée. Ouais. Avec 37,7 kg.